se met ça comme musique de fin. D'accord, c'est le minuteur. Bah ouais. Ok. Allez, on se laisse un petit peu. Voilà. On est content. Attends, je vérifie un truc. 1 minute 30. Ça va être chaud, mais ça va aller. Soirée jeudi passe-temps. Youhou. Ça commence à prendre le pied de pas genre, ben, la personne qui bouge. Ah, moi, faut pas me lancer. Hein. On joue à 3 jeux, comme d'habitude, et 3 excellents jeux cette fois-ci. On joue à Trio, on joue à Branle-Balle de Wombat, et on joue à The Numbers. Et que des jeux qu'on a tous plébiscités et qu'on va vous faire découvrir. Dis. Ah ouais. J'ai une main de tueur. Moi, j'ai une main de merde. On commence par le petit trio et l'excellent trio. Ouais. Oui. Le principe du jeu, c'est de faire des trios. Un trio, qu'est-ce que c'est? C'est 3 cartes identiques en relant, tout simplement. Ouais. Dans le jeu, les cartes vont de 1 à 12. Oui. Et elles sont toutes en 3 exemplaires uniques. On a classé notre main dans l'ordre croissant. L'ordre croissant différent de personne. Et à chaque tour, je vais commencer, admettons. Attends, comment ça? Comme ça, j'explique en même temps. D'accord. Okay. Par exemple, Thomas, montre-moi ta plus petite carte. Et là, Thomas est obligé de me montrer sa plus petite carte, qui est un 1. À ce moment-là, moi, je peux continuer. Par exemple, je peux demander à Christy, à Tony, à moi-même ou au jeu de trouver un 1. Par exemple, je vais dire celle-là. C'est dommage. Un 1. Voilà. Du coup, mon tour s'arrête. On passe à Christy, qui peut demander soit la plus petite, soit la plus grande de quelqu'un. Et Tony, ta plus petite carte, s'il te plaît. Ouh. Thomas, ta plus petite carte. Je suis dégoûté. Et Christy, ta plus petite carte. Je suis dégoûté. Merci Baptiste. Oui, c'est clair. Gros coup. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, Christy vient de faire un trio. Si elle en fait 3, elle gagne la partie. Ou si quelqu'un fait le trio de 7, qui est en plein milieu, il gagne la partie aussi. Et bien Baptiste, ta plus grande carte? Ma plus grande carte, écoute, c'est un 10. Ok. Ta plus grande carte? Je la reprends. C'est un 11, c'est ballot, c'est pas la même. Oh, mais elle est mauvaise. Christy, ta plus petite. Thomas, ta plus petite. Et Tony, ta plus petite. Mais non. Yeah. Ça commence super bien cette partie. Christy, ta plus petite, s'il te plaît. C'est oula, c'est un 6. Oula. Eh bien, on va chercher là. C'est un 5. Très bien. Baptiste, ta plus petite. Non, si, potentiellement si. Laisse-le pour l'instant. Ouais, vas-y. Tony, ta plus petite. Tadam. Ah, dommage. Ok. Bah ouais. Ah ouais. Christy, ta plus petite. On l'avait déjà retournée. Hein. Ouais, ouais. Celle-là aussi. Tu vois, les gens vont s'apercevoir que je suis une grosse tâche, j'ai plus de mémoire. Voilà, super. Moi, je vais tenter Baptiste, ta plus grande. Ouais, mais c'est toujours la même, hein. Et non. Pas du tout. Mais du coup, Thomas, ta plus petite, s'il te plaît. Et ouais. Et ouais. Donc, ouais. Non. Tony, ta plus petite? Toujours le 4. Bah oui. Baptiste, ta plus petite. Baptiste, ta deuxième plus petite. Oh, non mais... Mais on l'avait déjà vu. Ah ok. C'est pour ça que oui, celle-là, oui. Oui, t'avais les deux. On l'avait déjà vu, ouais. Mais du coup, moi, ouais. J'ai du mal à me dire les gens en nombre 2. Oh. Oh. Trop de mémoire, mec, trop de mémoire. Non mais trop de mémoire. Franchement, ça y est, je suis chaud. Alors. Allez, allez. Thomas, ta plus grande. Ok. No. Ça a pas marché. Qu'est-ce qu'on a pas regardé? Ça, on a pas regardé un peu. Ah. Tony, ta plus petite. Malaise. Surtout pas Chrissy gagne dans l'équipe, hein. Faut qu'au moins on ait tous une chance de gagner. Non mais... Lui donnez pas de... Faites pas de cadeau à Christy en tout cas. Jusqu'à ce qu'on en ait tous 2. Bah Tony, t'as la plus petite. Tony, t'as plus grande s'il te plaît. Oh là là. Tony, t'as deuxième plus grande. Oui. Ok.
Tony. Vas-y, remballe. Bravo, ça va faire très très mal. Tony, ta plus grande. Ah yes. Ah, j'ai cité 4 ou 2, j'ai cité. Thomas, ta plus grande. Allez. Oh là là. Bon. N'oubliez pas, la cible, c'est Christy. Ah, ouais, la cible, c'est Christy. Moi, je viens de vous rejoindre. On a aussi 2 trios, hein. Mm-hmm. Christy, ta plus grande. Malaise. Thomas, ta plus grande. Oh non. Et non, oh non. Elle est pas là. Ok, bah tant pis. Christy, ta plus grande. Tony, ta plus grande. Obviously. Bien joué, Baptiste, c'est ça qu'on veut voir. Je l'avais déjà. Tu l'avais? Oui, je l'avais. C'est ça qu'on veut voir. Ah mais du coup... Il y avait que lui qui pouvait me le piquer. On l'avait déjà vu? Non. Oui, on l'avait déjà vu. Le 4 aussi, on l'avait déjà vu. Je me souviens pas. J'essaie de souvenir déjà ce qu'il y a dans les mains oui, des gens. Oui, voilà, c'est ça. C'est à toi de jouer, hein, Cassie. Oui. Attends, non, mais je sais pas. Je viens de prendre 10 ans. Une seconde. Non, mais... Et voilà. Alors là, c'est... La plus petite? Ouais. Non. Yes. Ah, putain, c'est toi. Non. Tony, ta plus petite? Ah mais... Ah, merci Chrissy. Attends, tu le savais plus? Ch'tac. Et ch'tic. Allez. Bah ouais, t'as gagné Thomas. Oh là 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 là, impossible. J'ai gagné. Attends, tu le savais plus que c'était lui? Bah écoute, bien sûr que si, je m'en souvenais. Bah si, je l'avais pas. Voilà. C'est de la logique. Mais je me suis dit que t'allais gagner, c'était là. Pas le deuxième 4 là. Mais là, je venais de retourner. Mais celui-là, on l'avait déjà retourné deux fois. Oui, mais moi, je cherchais le 2. Je savais qu'il était là. Je savais que personne n'avait le 4. Il y en avait deux là. Et c'est pour ça que j'ai cherché, que j'ai retourné 11 de ça, sans faire exprès. Bon, en vrai, vous avez pas beaucoup de chance hein, face à moi, les gars. Qui c'est qui avait le 7? Il y avait le 7 au milieu. Et toi, tu en avais un. Donc, j'avais bien une carte qu'on n'avait pas vue au milieu. Oui, le 7. Oui, mais il y avait une carte qu'on n'avait pas vue au milieu. Bon. Comme par hasard. Et ben voilà, trio. C'est trop cool, hein. Ça passe toujours aussi bien. Ouais, c'est toujours bien. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On gagne, hein. Après, on peut jouer. Si on peut jouer par équipe, même à partir de 4, on peut jouer par équipe. Et il y a un mode piquanté où, en fait, il faut. C'est quoi le truc, c'est... Si tu fais le trio de 9, pour gagner, il faut que tu fasses le trio de 2. Ouais. Donc tu peux gagner en faisant juste 2 trios, mais il faut faire 2 trios spécifiques. Voilà. Okay. Et tu peux ne pas gagner en faisant 3 trios, si tu combines pas bien tes trios. Et je sais... Ah oui, voilà. Il faut que t'aies une combinaison qui marche. Ouais, une combinaison qui marche. Et je sais pas si on a dit, mais le trio de 7 te fait gagner immédiatement. Ouais, je l'ai dit, mais ouais. Il est tout doré, tout ça. Donc, Même en piganté, c'est immédiat. Petit jeu rapide chez Cocktail Game, voilà. Super efficace. Ouais, ça marche. Ouais, ouais. Ça marche trop bien. Petit jeu japonais. Comme quoi, tous les jeux japonais qui arrivent en France sont quand même plutôt très bons. On passe à un jeu un peu moins sérieux. On passe à Brandbat Bombat. Ah. Deuxième jeu de cette soirée, on joue à Branle-Bas de Wombat. Bon, la boîte est utilisée pour le jeu, donc je peux pas vous la montrer. C'est un jeu complètement stupide. Ah, c'est vraiment stupide aussi. De coopératif à semi-coopératif avec un traître à l'intérieur. Le but, ah, ça tient, être de refaire les tours de Hanoï. Donc de faire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et d'en faire 3 comme ça, en 1 minute 30. Mais... On a les yeux fermés. Enfin, on a une main devant les yeux. Donc on est tous en train de fouiller, on dirait... Une 6. T'as un 6, ok. On peut se parler librement, on peut donner des pièces à l'autre, on peut essayer de, bah, voilà, justement, de construire ses tours. Mais... Il y a un traître. Ouh. Il y en a un qui est là pour foutre la merde. Oh, il y a un 3, tiens, c'est pas un 3. Mais là, t'es grillé direct, c'est plus subtil. Ouais, mais sauf que quand tout le monde fait n'importe quoi avec les mains, tu vas voir si c'est subtil. À la fin du temps, on regarde combien de tours sont complètes. Si les 3 tours sont complètes, ça fait 2 points pour les gentils, pas pour les verts. S'il y a 2 tours qui sont complètes, ça fait qu'un point. S'il y a une tour qui est complète, ça fait 1 point pour les méchants. Mm-hmm. Et s'il y a aucune complète, ça fait 2 points pour les méchants. Wow. Voilà. Et on joue jusqu'à ce qu'il y a un gagnant. La question, c'est à 4, il y a combien de méchants? Il y en a un. Il n'y en a qu'un, ok. Ouais. Il y a un méchant. Et à la fin de chaque manche, on va voter pour éliminer quelqu'un. Pour peut-être préciser ça, il y a des petits picots sur les pièces. Et du coup, à l'appréhension, au toucher, on va pouvoir, en comptant les picots, savoir à quel niveau il va falloir le placer. Voilà, avec les gants, c'est super glissant.
Donc voilà, il y a un calcul du score. En partant de 3, on désigne celui qu'on soupçonne d'appartenir à l'équipe des méchants. Si on n'a pas d'idée, on lève le doigt en l'air. Si plus de la moitié des joueurs vote contre une personne, celle-ci est éliminée. Ah ouais. S'il y a une égalité ou s'il n'y a pas de vote majoritaire, on élimine personne. Ok. Okay, c'est si on n'est pas sûr. On est... Non, voilà. Mais voilà, le bénéfice voilà. du doute. Voilà. Présomption d'innocence. On a des hyper espèces de petits gants blancs qui vont pas nous faciliter la tâche. Juste pour les biens de la caméra et du plan qui va permettre de ne pas voir qui fait quoi. Les gants ne sont pas fournis dans la boîte. Bon, c'est pas dit qu'on les garde parce qu'en vrai c'est chiant. Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Est-ce que tu as tout compris? Tu es le seul à pas avoir joué. Est-ce que tu as tout compris? J'ai tout compris, j'ai trop hâte surtout. Tu as trop hâte. Je vous distribue les rôles. Si vous êtes vert, vous êtes gentil. Si vous êtes rouge, vous êtes méchant. Vous êtes prêt? Attends, tu es prêt à lancer le chronomètre? Je suis prêt à lancer le chronomètre. Alors, la main doit rester sur les yeux. Ok. Oui, donc vraiment aveugle. Ouais, voilà. On doit utiliser qu'une seule main, hein, forcément. Ok. Vous êtes prêt? On peut observer un petit peu, hein, avant. Alors, j'y vois déjà rien. Oui, voilà, c'est ça. On peut observer si vous voulez. On va faire au toucher. 3, 2, 1. Alors, moi, j'ai mis un 6 sur celle-là. Moi, j'en espérais un 6 aussi. Attends, là. Je fais la place dans mon coin. Ouais, c'est ici. Moi, j'ai un 5 là. Tiens, mais du coup, un 5. Donne. Tiens, Baptiste. Quoi? J'ai déjà un 5. J'ai mis le 6 sur la tour. Un 4. Baptiste, donne. Je garde ma main sur la tour. Là, c'est bon. Là, j'ai le 4 aussi. Donnez-moi un 5. Est-ce que quelqu'un a un 5? C'est qui fait de la merde là? Qui c'est qui garde un 5 là? C'est moi. 3. 1, 2, 3, 4, moi j'ai un 4, non, 3, tu touches pas ça. Moi j'ai un 4, c'est un 3 ça. Non, moi j'ai un 4, ouais. Ça vous intéresse pas un 4? Moi aussi un 4, donne-moi un 4. Ah putain, mais je l'ai lâché. Attends, il y a des trucs là qui ont fait n'importe quoi. Je l'ai lâché. Point 2, vas-y, rattrape-le. Tiens, le 4 il est là, je le bouge, quoi, c'est pas ça, elle est là. Ouais. Tiens, un 4, tiens, c'est ça, le 4. Un 2. Ouais, tu m'as paniqué. 1, 2, 3. Moi je te fais confiance. 3, vas-y, 3. Il y a des trucs qui sont plus là. Il y a 3 là. Non, attends, il y a un problème. Vite, 1, 2. Attends, qu'est-ce que vous faites là? J'en sais rien. Elles sont où? Ah, j'ai perdu une pièce. J'en sais rien. Elles sont où? Moi j'ai un gros truc. Moi j'ai rien dans ce truc. Allez, 1, 2, 3. Oui, le 2 est pas 1. C'est horrible ce jeu. Celle-là est finie. J'en ai une. Il y a quelqu'un qui s'approche de cet angle, je te dis. Moi j'ai un autre là. 3, là j'ai un 3. J'ai un 1 et un infini là. J'ai un 3. Hop. Allez, j'en ai. Attends, mais c'est bon. Attends, il faut que tu la gardes. Garde-la. Ils sont où? J'en ai 3 en même ou pas? C'est quoi ça? Attends. Elle est totalement vide celle-là. J'en ai une grande. Oui, y'en a une qui est vide. Y'en a une qui est vide. Ah, c'est ça. C'est fini. Stop. On enlève les mains. Ouais, c'est enlevé. Eh, on est pas si mauvais hein. On en a fini 2. Oh my god! Je crois que c'est la première fois. Attends, celle-là, je les balance. My god! Et elles sont bonnes. Attends. Stylé! Attends. Ah, mais attends, regarde! Bon, il y en a qui étaient cachées là quand même. Elles se sont toutes les autres pièges, j'ai l'impression que j'en ai fait tomber une. Oui, elle était là. Il y en avait une qui était là. Qui sont toutes. Ok. Mais le stress! Donc, on a 2 trucs, on marque 1 point. Yes! Enfin, les gentils marquent 1 point. Les gentils marquent ouais, un ouais. point. Les gentils, ouais. On peut essayer d'éliminer quelqu'un. Ouais, mais qui? Moi, je. Pré-vote, ouais, très choc. On fait un pré-vote? Ouais, ouais. 3, 2. Ah oui, voilà. 1. What? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais. Alors, moi, t'es ouf. En fait, c'est elle qui m'a donné toutes les pièces. Ah ouais? C'est elle qui m'a donné toutes les pièces. En fait, moi, je vérifiais ta tour parce qu'une fois... C'est toi, alors. Mais non, c'est pas moi. Il y a une partie qui a fait que quelqu'un, en fait, il avait pas mis la première pièce. Donc, en fait, je vérifiais à chaque fois que tu remontais. Attends, toutes les moi, pièces. Moi, je suis blanc comme neige. Hein. J'ai fait la oui, tour. Oui, toi, t'as fait celle-là. Moi, t'as fait celle-là. J'étais comme ça. Moi, j'ai oui, dans mon angle. Et moi, j'ai donné toutes les pièces. En fait, je les ai gardées en même temps. Mais c'est pour ça que moi, je sais que toi, t'as fait celle-là. Toi, t'as fait celle-là. Toi, t'as fait quoi? J'ai passé toutes les pièces à Baptiste et je t'ai passé le 3. Et moi je t'ai passé toutes les autres, moi. Et à chaque fois, je vérifiais que les trucs étaient... Bon. Les pyramides étaient montées, hein. Moi, je vote pas, si... Enfin, je... Moi, je sais qui c'est, hein. Éliminer un traître, éliminer un pas-traître, ça craint. Moi, je sais qui c'est. Après, on en a fait 2, on a déjà 1 point, c'est pas mal. Bon. Franchement, je sais pas si je tire pas dans le tas. Ouais, ou alors ça fait genre... oui, coucou, je fais tout bien, et puis après, on se ken à l'envers. Ouais, ouais, je la connais, la technique. Qui a remis la pièce dedans? Quelle il y avait pièce une dedans. Pièce à la fin non, qui était là. À la fin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une pièce là et je l'ai remis là. Bon. Moi je sais qui c'est, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est ça, on n'a pas le droit de mettre 2 pièces à l'extérieur, donc c'est une erreur. Ça c'était un pré-vote. Ouais. Okay. Ça c'était un pré-vote. Bon, on peut voter. 1, 2, 3. J'aurais dû maintenir mon doigt en fait.
Tu revotes contre Tony, toi. Mais parce que je suis sûre. Ok, ok, ok. Mais parce que tu es sûr bien contre lui. Mais oui. Allez, on vide. Allez. Mais... Deuxième oh manche. Là là. Bref. T'es prêt? Je la vois, la 6, là. La ah ouais, on peut regarder un peu avant. Moi, j'y vois que dalle, donc je vous laisse 3, regarder. 2, 1, c'est parti. Allez, prends la 6, là. Je vais la 6 aussi. Qui c'est qui... Il est où le truc? J'ai un 5. Attends, j'ai un picot, j'ai la 6. Mais en fait, je comprends rien. J'ai la 6 en haut. Là, il y a quoi? C'est moi, c'est sûr. Donne le 5. Le 5, il est là. Il faut le mettre là. Donne-moi la main, là, le 5. 5, là. Quoi? On m'a filé une tour, là. Non, moi, j'ai 1, 2. Moi, j'ai 2, là. J'ai une tour, là, si vous voulez. Non, c'est bon, touche pas celle-là. J'ai une tour. 5, attends. J'ai un 6 en main, là. Tiens, un 5. Non, je veux pas du 5, je veux un 6. Non, non, on t'en fout du. Enfin, non. Attendez, s'il y a un 6, il faut commencer par un 6. Vas-y, tiens, donne-moi le 6. Voilà, attends. Là. Qui c'est qui fait. Là, là, okay. C'est un 6. Allez. Fais quoi dans la main, là? J'ai un 3. Donnez-moi un 5. 3, 1. Un 5. Un 2, 5. 3. Il y en a un là juste là. Mets le 4. J'ai un 3. Eh bien, je le cherche, le 4 tout à l'heure. Ah. Alors, là, ça, c'est pas tombé. Okay. C'est pas tombé. Un 5, quelqu'un a un 5? Non. Attends, je vais remettre. Ah, c'est non, quoi, ça? Non, il y a ma main, là, le traître. Non, non, je non, d'accord, c'est un tour. C'est un 5, ça. C'est moi, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3. C'est quoi? C'est un 5. Attends, là, je vais mettre le dessus. C'est bon, j'en ai une. Il faut les 4. Il faut avancer, hein. Il faut les 4, là. Mais moi aussi. Moi, j'ai 4. Qui c'est qui a tous les 4? Non, moi, j'ai. Regarde, j'ai pas un 4 dans la main. C'est quoi? J'ai un 4. J'ai un 2. J'ai un 4. Donne-moi la main, donne-moi le 4. Le 5. Il y a 3, 5, les gars. Pourquoi le 5? Parce que j'ai une tour avec un 6. Mais il y a. 3, 5. Quoi, ça? Ah mais c'est horrible en fait, je m'en fous. Et okay, donc, il est pièce, là le 4. Hein. Non. Oh. Bon, maintenant vous m'écoutez sur qui est le traître ou pas? Bah pareil, j'ai pas de... Moi j'ai pas d'amis. On en a pas fait une, mais sans déconner, j'ai demandé un... On en a fait 0, donc ça fait 2 points pour les méchants. Christy, c'est toi. Mais en fait, c'est chaotique, je ne comprends rien. Non mais c'est toi. C'est en mode... Mais vous êtes... Mais j'ai aucune preuve contre personne encore. Ouais, bah non. Franchement, je commence même à avoir des doutes sur toi, Baptiste. Ah bah, genre, non, c'est ta tour, ça? Oui. Oui. Ok. Bon, non. Ouais. Mais moi, ça, celle-là, au début, elle était pas là. Non, elle était devant moi. Enfin, si, peut-être qu'elle a bougé, ouais, elle est peut-être là. Moi, je sais qui c'est, les gars, vous voulez pas me croire, hein, à un moment donné, vous voulez pas me croire. C'est quoi tes arguments? Mais c'est quoi tes arguments contre moi, en vrai? Alors, la première fois, je savais exactement qui faisait quel tour. Je t'ai donné les pièces, t'as cru que j'étais traite parce que je remontais à chaque fois pour savoir si les picots étaient dans le bon oui. sens. Non, mais attends, j'ai Et là, à chaque fois, j'étais comme ça. Et il y a quelqu'un qui a voulu essayer de la prendre pour enlever les trucs. Donc, après, comme vous voulez. Tu me dis un 6, celle-là, elle a qu'un 6. Je vous ai demandé un 5 40 fois. Il n'y a pas de 5 parce que vous n'en avez pas donné. Parce qu'on l'a pas trouvé. Oh, oui. On l'a pas trouvé, moi j'ai trouvé un des 4. Oui, il maintenant, maintenant il est là. De toute façon, il faut éliminer quelqu'un. Là. Bah là, là c'est chaud. Moi j'élimine, je sais qui j'élimine. Vous allez, vas-y. Bon, après vote, on est du coup là. Là, c'est quoi? C'est voix, vote. On blanc. Est pré-vote là? Non, ouais, non, on est vote. Non, on fait le vrai vote. Vrai vote. Ah ouais, cash. Okay. 3, 2, 1. Allez. Ouais, allez. J'ai vraiment. Tu sens mauvais. C'est vrai? Ouais, tu sens mauvais. Alors tu montes pas ton rôle. Tu montes pas ton rôle. Tu ne joues plus. Tu ne joues plus, par contre, tu vas gérer le chrono. Eh ben, bon courage. Mais tu peux, mais tu peux regarder. On les fait les trois. Hein. Bah, trois chauds. Bah, bon, faut en faire au moins deux. Faut en faire au moins deux. Ok, bon. On communique bien. Regardez bien où sont les 6. Hein. Prenez celle qui est le plus proche de vous, ok? Ouais, ouais, ok. Attends. Un télescope pour Christine. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça, c'est un 6. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est dans un point. Chacun prend une tour. Ok, 5. 5, je crois que c'est un 5. Non, c'est un 4. C'est un 4. Moi, je me protège quand même parce que j'ai moins de moins confiance en vous. Ouais, bah, protège-tu. Ah, j'ai un fou rire. Je peux faire des commentaires ou pas? Ça, c'est un 5. C'est un 5. Ouais, je suis sur un 5. Moi, c'est un 4. Que mon 4, j'en avais un. Vas-y, donne-moi. Il n'y a pas un 4 par là, là? Ça, c'est un 3. 5. Ça, c'est un, j'ai un 4, qui prend un 4? Je crois que c'est un 4, ça. Qui prend un 4? Donne. C'est un 3, ça, donne-moi le 4. C'est tellement chaotique, en fait. 2, 3, 4, c'est un 4, ça, je pense. Ok. Ouais, c'est bon, ça, c'est un. Là, j'ai un 3. Ok, il faut un 4 si vous en trouvez un. Encore? Ben, je t'ai donné le mien, parce que j'avais pas le 5. 2... Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a des pièces en dessous à chaque fois, il faut rater. Il y a un 1, là. Là, tiens. J'ai un 2. Quelqu'un va un 2? Ouais, 2, 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 2
dans l'angle. Mais j'ai perdu. Là, c'est là, je suis là. Comme ça, tu l'as perdu. J'ai un 2, j'ai un 2. Et je l'ai perdu. Oh, mais Christy, t'es trop là, ramasse. Mais non, tiens, 2, là. Non. 1, 2, 3, j'ai un 3, j'ai un 3, j'ai un 3. Non, il me faut un, juste un. Attends, j'ai un 2, tiens, le 2. Non, j'en fous des 2. Oh, mais vous avez enlevé le 1. Qui a enlevé un? On m'a enlevé un. Putain, y'a un traître. Mais pas du tout! Mais y'a un peu de tête! C'est bon, attends, j'ai un 5, c'est bon. Attends, il est là! Oh, ma tour, elle est finie! Touche pas. La tour, je veux toucher! C'est bon, touchez pas, bougez pas, ça là! Fini! 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 Stop! Ça a pas sonné! Stop! C'est toi, le traître! C'est toi, putain! J'ai laissé une piscine, c'est trop toi, mais tu m'as trop brain! Oh là là, y'a un vote là! Y'a un vote! C'est pour ça que tu veux pas que je touche la tour! Non, c'est toi! Moi, je peux plus voter! Y'a une terminée, donc ça fait un point pour les rouges. Donc mais non, mais non, c'est toi, Christy! Je suis mais sûr, non. C'est toi. Non, mais c'est toi, c'est sûr! Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais moi j'ai mis un 1, c'est sûr, j'ai mis un 1. Mais je te l'ai donné! Mais oui, je te l'ai donné! Il y avait la même Christy qui l'a enlevée, j'en suis certain! Christy, la traite! Non, je suis pas la traite! On révèle les rôles! On révèle les rôles! Ah oui, bah c'est pas moi! C'est pas moi! En fait, c'est moi parce que quand j'ai compté, j'ai cru que j'ai essayé de refaire rapidement la truc. Voilà. Oui, bon, ça va. Voilà. Une balle dans le pied. J'ai pas compris. Mais j'avais raison dès le départ, c'est lui le traître. Oh. Oui, il y avait aucune. Enfin, moi, j'avais aucune preuve du début à la fin. Parce que je me suis dit la première partie, mais je vais pas tout capoter. Et qu'est-ce que t'as fait en tant que traître du coup alors? À la deuxième, j'ai enlevé un petit truc, je crois. Oh oui, c'était discret. Oui, j'ai caché des trucs. Ouais, je suis un peu Littlefinger, tu vois. Genre... Ok, t'as pas fait ça, quoi. Oui, non, bah non. Moi, tu sais, c'est non, bah, ça fait. Que... Et en fait, je me suis dit, je vais acheter Thomas. Thomas me demandait des trucs et j'allais lui donner. Comme ça, j'étais là, je prends Thomas dans mon camp. Ouais, là, j'avoue. Parce que, au début, ce qui s'était passé dans les parties qu'on a fait, quelqu'un a dit ça. Le problème, Christy, c'est que tu joues quand même presque en double jeu. Tu joues à l'attaque et je me suis dit, on va laisser ça émerger. Ouais, mais moi je savais direct que c'était toi. Bon, c'est très dur de gagner hein, en tant que gentil. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Merci à vous, c'est vous qui m'avez fait gagner. Ouais, elle est bonne équipe. T'as un mode plus facile quand tu n'y arrives pas, tu commences tous avec des bases 6. Mm. Bon, ça fait un peu plus facile. Mais... Par contre, ça fout la pression. Il y a aussi un mode avec des petits pouvoirs. Ouais, il y a des petits rôles, ouais, il y en a, mais c'est un peu plus compliqué quoi. Je sais plus ce qu'ils font, mais. Il y en a qui peuvent pas poser de briques sur les tours. Ouais, il y en a qui peuvent que donner. Qui peuvent que transmettre des pièces. Ah, c'est bon. Par exemple, je peux pas chercher si j'avais fait mon pouvoir. Ça en soirée, ça passe crème. Hein. Ça marche bien. Par contre, c'est assez. Mais j'ai le palpitant là. C'est pas juste avant d'aller dormir. C'est pas regarder, c'est drôle aussi. Même si t'étais le traître, tu voyais qu'on faisait quand même pas super. Oh mon dieu, j'avais un fou rire. J'étais là, c'est super. Au début, j'avais peur parce que vraiment. Celles-là, elles ont été faites très vite. Et puis toi, j'étais là, c'est parfait. Non, trop la blase, merci Christy. C'est encore mieux à 6. Ça, c'est ta soirée, jeu. Ça va être l'horreur. T'as des mains partout, tu es obligé de faire des binômes, je pense. Et, ça marche bien. Déjà, là, je trouve que là, déjà, waouh. T'as deux ordures dans le truc en plus, donc. Bon, on passe au dernier jeu. Allez, calmez un petit peu plus quand même. Ouais. Allez, on joue à Zone Under. Redescendre. Dernier jeu de cette soirée et pas des moindres, on va jouer à The Number, ce jeu au graphisme de Windows 95, édité par Repoprod, mais qui est. Incroyablement génial. Un autre jeu japonais, c'est vrai, on a deux jeux japonais. Hidashi, c'est cool. Ah, Hidashi. Moi j'aime beaucoup les jeux japonais en général. Ce qui arrive en France, il y a une épure, Complètement d'accord avec toi. Il y a une épure du genre, toi, Deep Sea Adventure, Love Letter, Brave Rat. Il y a quelque chose du minimalisme un peu là qui est hyper intéressant. The Number, qu'est-ce que c'est? Le but, ça va être de marquer le plus de points possible et à chaque tour, nous allons marquer sur notre petite plaquette un numéro à trois chiffres. Celui qu'on veut, 982, 995, etc. 0. 0, 0, 0. Je n'ai pas un très gros coup. Voilà, on va se le dire. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre tous nos numéros, on va les classer. Donc on va les mettre le plus grand en haut, le deuxième, etc. Et à ce moment-là, on va regarder ce qui se passe. Alors, on va faire un exemple. Un vrai exemple ou pas un vrai exemple? Oui. Oui, bah enfin, j'ai mis 887. Moi j'ai mis 421. Moi j'ai mis ça. Sérieux? Oh, improbable. Nul. Ah bah si, parce qu'on se retrouve au même niveau. Ouais. Comme ça, au moins, on explique notre règle.
Bon, d'accord. Je suis le plus haut, potentiellement, c'est moi qui vais scorer le plus de points. Bah oui. Voilà. Sauf que, si quelqu'un en dessous de moi a mis un 8 ou un 7, je marque rien. C'est pas le cas. Donc là, là, tu scores de ouf. Là, je marque 8 points, plus 2 parce que je suis le plus haut, ici. Donc je marque 10 points. 555, il n'y a aucun cas où ça s'annule. Ouais, grave. Admettons. Attends. Ouais, vas-y. Donc, ah oui, mais non, ça annule moi, quoi. Oui, bah, 555, en dessous de lui, il y a un 5. Il jarte le 555. 5, voilà. Éliminé. Bah, 0. 0. 0. Voilà. 425. Toi, bah, il y a le 4. Parce qu'il y a le 4, il y a le 2. Voilà. Jarte. Et toi, t'es tout seul, t'es dernier, tu marques 4 points, c'est cool. Ceux qui restent à la fin vont barrer les chiffres qu'ils ont notés. Je vais marquer le 8 et le 7. Le 4, le 2 et le 1. Ça va donner des indications aux autres joueurs pour me dire que le 7 et le 8, je ne pourrai plus jamais le jouer. Donc potentiellement, bah, ils ont plus de chances de, eux, les noter, de les noter. Exactement. C'est très subtil, je trouve. Ouais. Ce jeu, il y a une subtilité. En fait, c'est tout ça de l'air. Est-ce que je veux mettre un gros chiffre? Mais en plus je mets un gros chiffre, plus j'ai de chances qu'en dessous, il y a des gens qui fassent n'importe quoi. Enfin, qui me vire, tout simplement. Exactement. De toute façon, vous allez bien voir. Il y a un côté très juste prix, moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans ce truc-là, tu sais. Juste prix. Elle coûte combien, la Fiat Punto, là? Voilà. Alors, normalement, ça joue en deux manches. On verra si on en fait deux ou si on en fait une. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'on en fasse deux. On verra bien. On verra. Oh. Oui, ça veut dire quoi. Alors. Qu'est-ce que je note? J'avais fait une stratégie comme allez. Ça. Allez. Voyons voir. 3, 2, 1, bam. Ok, je suis first. Purée, je suis trop vague. Alors, attends. Mais ça passe. 878, c'était qui? C'est toi? Il y a un 8, ça dégage. 455, ça reste. Très bien. 388, ça dégage aussi. 268, ça reste. Tu marques 2 points et tu perds 3 numéros. Oui. Moi, j'en perds. C'est pas grave, je vous ai éliminé vos trucs. Oui, mais tu perds 3 numéros. Moi, je trouve que ça commence très bien. Bon, la première manche, on va être oui, en fait, c'est un peu là en mode, et c'est à partir de quand les numéros sont barrés qu'on va être là. Trop bien. 3, 2, 1, boum. Yes. Oh non, on l'a tous fait. C'est 666. Attends. On l'a tous fait. Enfin, oui, voilà, oui. Ah oui, bah. C'est trop de mauvais texte. Ça passe. Oh là là. Tout passe. Tout passe. Ah, moi, je suis en haut, mais je perds qu'un numéro et je marque 12 points. Donc 9 plus 3 ici. Wouah, Baptiste. 11 points pour moi. Je perds qu'un numéro. Oh là là. Ah oui, c'était couillu ça quand même. Ouais, mais là, c'est hautement improbable ce qui vient de se passer. Ouais, ouais. Et le 999, il passe souvent. Hein. Franchement. Mais oui, parce que personne n'ose le faire. Ouais. Et du coup, tu te dis. Allez, à la première manche, il serait passé aussi. Hein. J'ai hésité à le faire à la première manche. Maintenant, nous irons un 9 barré. Je la sens bien, celle-là. Ouais, moi aussi. Ouais, je la sens bien. Ça sert à rien de faire des points. Pardon. C'est un peu le but du jeu, quand même. Oui, non, mais voilà. Bon, bref. Yes. T'es sûr. Et là, le 888. T'as 888. 665, 555. Pile, dégage, pardon. Ah, mais... T'as mis quoi, 665? T'as mis quoi, 888? Passe. Ah, d'accord, non, mais vous jouez tout, tout le temps comme ça, ok, d'accord, non, moi je joue comme ça, pas de problème. 11 points, combien il fait battre? Lentement, 24, mais sûrement. Ouais, ouais. Wouah, Baptiste. Oh non, non, mais putain, non. Vous me saoulez là. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Faut jouer au feeling là, faut pas réfléchir à ce jeu là. Bam. Tu penses à un numéro là? Non, attends. C'est vrai. Mais ouais. Toi, Christy, t'es le traître. Tu le faux traître. Allez, ce que t'as barré. Et bam. Attends, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Attends, ça fait 10 minutes là. Mais recache-le. Mais c'est bon, il l'a pas vu, il a pas vu. Non, 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 je l'ai pas vu, vraiment. Ouah, t'as mis un triple vite. Bah bien sûr. Ouah, ça c'est la facilité. Je passe entre les gouttes d'eau. Bah en fait, j'ai voulu prendre... Je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de toi. J'ai voulu prendre un risque. Bah oui, 888. Ça passe. Ça passe. Et c'est moi. 666, ça passe. Le diable. 331, ça dégage. Par contre, tu perds 3 numéros là. 14. Oui, mais je gagne 1 point plus 6 quand même. Ah non, pas du tout. C'est moi qui gagne le plus 6 oui, oui, là-haut. Bien sûr, bien sûr. Ah, je suis content. Le 1, le 4 et le 3.
Ouais, j'annonce, barrer des numéros, va ça claquer, fait des points. Il va claquer un truc, il a gardé le 9 pour la fin. Bah, le 8-8-8, c'était évident. Enfin, je sais pas pourquoi t'as hésité, personne ne l'avait. Ah, mais là, c'est le dernier. Il reste rien, toi. Non, il reste. Oui, bah. c'est le dernier coup. Non, c'est... ah oui, c'est le dernier coup. Bah, j'ai scoré à tous les trucs, donc. Allez, déjà, tous ceux qui ont les 9, ils vont mettre un 9. Bah, oui. Ouais, mais. Ouais, bah, enfin, à moins qu'ils s'éliminent, quoi. Bah, attends. Allez, 1, 2, 3. 3. 555. Oui, bien, bien sûr. Bah oui. 999. Mais moi aussi, je vire. Toi, t'es une biche au garé, toi. Allez, 999. Mais toi, t'as trop d'espoir, toi. Allez, ciao. 742. Boum, ça vire. Bam. Franchement. 7, 4, 9. Voilà, faut faire petit bras sur ce truc-là. Du coup, tu fais plus 8, toi. T'es le seul. Oui, moi, je fais que 10 points. Ah, mais oui. Et nous, on fait 0 fois 2, Christian. Donc 7 fois 2. 14, plus 8, 22. Et putain, wow, Thomas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi j'ai barré 6 numéros. 4, 5, 6, 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 6. On met nos petits scores derrière pour ajouter le prochain. Parce que le score final, c'est uniquement la somme des deux. Ouais, ouais. Du coup, t'as tendance à vouloir s'acharner sur ceux qui ont des bons scores. Toi, t'es un peu tranquille. Par exemple, Thomas. Non, mais c'est une stratégie. Alors, je suis genre, j'ai fait un score tout pourri. Je tiens quand même à préciser que vous acharniez déjà sur moi, hein, donc va falloir vraiment tout... va falloir tout donner, là. Allez. Ah, mais t'as la pression un peu ou pas? Franchement, non, jamais. Jamais. Ah ouais. Je joue vraiment, tu vois, là. Je vais fermer. Allez, moi je vous dis, j'annonce que je le dis, je mets 999. Ah ouais, direct ah ouais. Oui, mais il va le faire. Ok. Attends, c'est quoi cette stratégie? Parce que des fois ça marche ce genre de stratégie, mais pas dans ce jeu. Moi aussi. Toi tu mets 999? Ouais, aussi. Ok. Moi je le fais. Hein. Moi aussi. Je l'ai fait. C'est à 999, j'annonce. Ok, bah parfait, tu vas être éliminé, c'est bien. Boum. Je l'ai fait. Non, ça passe pas. Hein. Non, mais lui, il passe. Oh, non. Bah, j'aurais pu passer 999, ça passait. Ouais. Non, mais non. Oh, je pensais que quelqu'un allait sacrifier. Bon. Du coup, je me fais éliminer à cause du 4. Tu l'as écrit à l'envers. Et... Oui. Pour que le numéro... Toi, c'est tu tout passes, le moi, je passe. Oui, voilà. 9 et 7. C'est qui fait le petit bras, là, à mettre les mêmes chiffres, maintenant? Bah, attends, vous faites tout ça à vouloir faire des petits scores, voilà. Il faut le faire à la première manche. Oui, ah, voilà. Parce que t'embarques un. Allez, je fais 898. Je vais faire 886, c'est... Mais non, t'as pas de 9. Ben, je fais 888. Ah, j'ai entendu 898. Non, non. Ah, c'est chaud, quand même. 888. Oui. Il réfléchit trop. 888. On verra bien. Ça, comment t'écrivais, on n'aurait pas dit 8, pourtant, hein. J'ai fait un, la feinte. 2, 3, bien. Yes, yes, je t'ai dit. Oh là là, le temps. Oh, je nique tout le monde. De quoi? 0,58. Oui. Non. Ah, ah là là, il y a que des 5 et des 8. Mais tu prends 0 points. Oui, mais je m'en fous. Mais je fais quand même plus 3. Eh oui. Quel enflure. Je suis trop dingue. Donc oui, ce n'était pas 888. J'avais pas vu le tir, j'avais vu les deux zones, j'étais trop fier de moi et en fait... Oh là là, ce coup de maître. Tu viens de niquer ton 8 pour rien, par contre. Ça veut dire que quand même, on réfléchit oui, pas mal parce qu'on a mis les mêmes chiffres. Ça fait un point à la fin aussi et c'est pas... Ouais, ouais. Vous essayez de passer au-dessus, en fait. Bien sûr, tu flaires, on a tous à peu près la même stratégie. Tu te dis, bon bah... Je vais essayer de caler un petit... Okay. Je pense que je joue un peu Bolzine. Ça, moi aussi. Moi aussi, je pense que c'est... C'est pas très intéressant, ça. 1, 2, 3. Mais non Baptiste non. Quoi? C'est quoi ton problème? Mais tu m'as viré. Mais oui. Mais toi, il y a que le 999 qui reste. Et ah, toi on s'est fini. Et moi, et moi. Non, moi je te... Toi, tu toi, me tues. Toi, il te tue. Et lui, il me tue. On s'est fini. Et moi, je me prends 4 points en plus. Ouais, mais bon... Ah, c'est les premiers points que je prends. C'est bon, les gars. Hein, à un moment donné... Ça fait 6. Ah non, t'es en haut, pardon, t'es en haut, c'est toi et qui... Oh, oui, oui. Donc 2. Hein. On comprend comment Baptiste fait des points. Je me pique mes points.
Non mais regarde, on a qu'un truc de barré. Mais t'as, aussi... t'as qu'un truc de barré, qu'est-ce que c'est que... Ah, Baptiste, qu'as-tu barré? Baptiste, pour l'éliminer, c'est... Voilà. Non mais du coup, nous, comme on en a qu'un de barré, c'est toujours what the fuck en fait, là. Ouais, on va tous vouloir marquer. Attends, il a joué fine, là, Baptiste, là. Il va me battre, là. Il était pas loin de moi, en plus, à la première manche. Mais c'est pour ça que Christy, elle est pas trop dangereuse. Ouais, Christy, ça va, elle a 9 points en plus, ouais, ça va. Mais qu'est-ce que tu vas mettre? J'ai un peu plus que 9 points, d'accord. Qu'est-ce que tu j'ai penses que je vais mettre, du coup? Qu'est-ce que tu vas mettre en pensant de... Non, tu non, vois, non, tu non, vois, là, je joue pour moi, là, je joue tu pour joues moi. Tu joues pour toi? Ah, ouais, je joue okay. à fond pour moi. Bah, je mets 666. Ok, eh ben, ça attends, tombe là. Bien. Ça tombe bien pour moi, ça. Tu sais, essaye de taper dans le vent, de toute façon tu gagneras jamais, donc mais ne gagne pas, ok? 1, 2, violent, 3, oui, yes! Wouh, tout le monde passe! On est passé quoi, c'est quoi ce truc? 108, 7, 9, allez, 3. J'ai hésité avec le 9 et 9, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va le mettre. Ouais, bah pour une fois j'ai pris mes responsabilités, j'y suis allé. Ou je perds le 3. Ouh, c'est chaud! Ah, dernière manche, c'est là qu'il faut tout casser. Eh ben oui. Tu mets 15 sur celle-là, toi. Christy, mets pas un 8. Bah, pourquoi? Si tu mets un 8, tu vas sauter. Je fais n'importe quoi. Y'a que toi et moi qui avons un 8. Moi, je t'annonce, je vais mettre un 8. Donc. Bah, vas-y. Bah, si t'en mets un, on s'élimine. Y'a une chance sur deux qu'on s'élimine. Bah, mais autre chose, alors. T'es prêt à la boule? Mais autre chose! Attends, d'ailleurs, j'ai gagné avec un 7. Pardon, excusez-moi. Silence. T'as-tu déjà noté, toi? Bah, tu sais, en même temps, c'est pas compliqué. Ah bah oui, les solos sur un truc. Oui, mais peut-être le but, c'est peut-être de bousiller les autres. Mais... Ah non, ah, non okay. Le but, c'est de faire le x2 plus le plus 8. Oui, j'avoue. J'avoue. 1, 2, 3. Bah j'ai trop hésité à écrire ça, hein. J'ai trop hésité. Alors attends, ça reste, ça sort. Au revoir. Le x2, il marche que sur le 9, là. Ouais, ça fait 18, 18 plus 8. Ça fait 21. Ça fait 8 points. Ah, ben ça, je suis un peu remonté dans mon estime. C'est moins bien. 27, 32. 59. Ouais. 68. 77. Non! Oh, j'ai gagné! Non! Oh, j'ai gagné! Non, là, là, je crois que c'était pour moi. J'ai gagné à 2 jeux sur 3. Ah, c'est chaud. Sport, là. Allez, bah, allez. C'est toi qu'il fallait éliminer. Oh, mais non, mais. C'est ton dernier coup qui t'a fait trop. Ah, ouais, mais oui! Le dernier coup, il fait mal. Ça me dégoûte. Bravo. Je suis trop content! Oui! Il est nul ce jeu. Trop bien! Je l'aime bien, mon Mathieu, j'ai bien mon Huisson! C'est toi qui m'as fait perdre, là! T'es vraiment une teigne, hein! Oui! T'es avec pas toi! Un jeu 59, avec toi, toujours! Trop deg! Bon, Tony, je suis deg d'avoir perdu, mais je suis pas deg que t'aies gagné, franchement! Oh, t'es trop mignon! J'aurais été deg qu'elle gagne, par contre! Et c'était la soirée jeu sponsorisée! Bon, très très bien, ça marche toujours aussi bien ce truc. C'est sûr. Petit clin d'œil à Jojo qui avait fait 0, 0, 0. Je l'avais dit, c'est nul ce jeu. C'est possible, ça arrive. Conclusion. Yes. Conclusion, mais avant, je crois que j'ai oublié. En vrai, je crois que j'ai oublié de compter les points des barrés et je les avais tous barrés. Attends, on veut la barre là. Ouais, on veut la barre. L'avantage, c'est qu'on a l'arbitrage vidéo. Mais c'est comme dans un match de foot, si l'arbitre a pas vu. L'arbitre a pas vu. Il y a l'arbitrage vidéo. Okay. Je dis, je crois que j'avais 71 et j'avais tous les 10, donc ça faisait 80, et donc normalement je gagne. Tony, au fond de toi, ouais. Tu vois, là tu sais que t'as pas gagné. Tu vois, voilà. Non mais c'est bien, on a une victoire chacun. De toute manière, au moins il y a une personne on est sûr qu'il a pas gagné, c'est Thomas. Et Christy. Non parce que. Mais j'ai gagné un trio, moi ça me va. Mais moi ça me dérange pas de perdre, ouais. Donc. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères, toi, particulièrement? Je sais que tu adores Trio, c'est ton jeu que t'emportes partout. Est-ce que... Parce qu'en fait, je trouve que The Number, il y a quand même des petits trucs où tu vas réfléchir un peu derrière. Bon, Batman, tu vas pas tout le temps le faire parce que malgré tout, ça fait du cardiaque et du coup, parfois, tu veux plus un moment calme. Trio, tu l'emmènes partout avec toute la famille. Donc ça, c'est celui que tu sortirais le plus, c'est Trio, mais les autres, sont excellents aussi. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Toi, Tom, toi, c'est plus jeu de soirée, jeu d'enfoiré Ouais, non, en fait, de tous ces trois jeux-là, moi, c'est The Number que je sortirai le plus facilement. Ouais. Trio, je suis une grosse quiche en mémoire. voilà, et il a gagné, hein, j'ai gagné complètement par hasard, hein, voilà, c'est possible. Hein.
J'aime bien, je trouve ça chouette, mais je sais pas, c'est pas le jeu que je vais répéter un milliard de fois, je pense. Mmh. The Number, j'aime beaucoup le côté roue de la fortune, le côté un peu ce que, comme tu l'as joué toi, j'aime trop le jouer comme ça, avec quelqu'un qui va le jouer comme ça. Je vais dire, vas-y, moi je joue ça. Au culot. Au culot, j'aime beaucoup l'ambiance que ça crée. Brambad Wombat, c'est très bon, mais moi, il y a un truc qui fait que ça n'a pas marché avec quelqu'un, c'est le côté fermer les yeux. Il ouais. y a des gens qui détestent fermer ouais. les yeux dans ce genre de jeu-là, et c'est l'obstacle que je vais trouver dans Brambad Wombat. Voilà. Okay. Mais ça reste très bon. Mmh. Oui, oui, oui. oui ça Tony ben, je rejoins Thomas, top 1, lui. Ouais. Dès la première fois qu'on l'a essayé, mais vraiment, évidence, quoi. Ouais. Et en plus, ça peut marcher avec tous mes potes. Les gens qui sont un peu en mode, oh, vas-y, on joue un peu au hasard, et là, ça fout le chaos. Et c'est là que ça devient intéressant. Ouais, ça fout grave c'est là que ça devient intéressant. Quand t'as un électron libre, ouais, quand tu sais. C'est ça. À un moment, on a eu la même stratégie, on a tous mis des 8 à peu près. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut pas jouer comme ça. Mmh. Parce que du coup, on se fait doubler. Et c'est trop bien. Et du coup, chaque partie, ça change. Et c'est le stress à chaque fois sur les points. Même si on a gagné ou perdu. c'est super. Quoi. Ouais, comme ça. Il y a un gros côté guessing de qu'est-ce que je pense qu'il va mettre. Est-ce que je me mets en dessous, est-ce que je me mets au-dessus pour faire plus de points? Est-ce que j'essaye de troller psychologiquement en disant mais tel chiffre, je vais les mettre Et je pense que dans la durée, ça marche. Ouais. C'est pas parce que t'as fait 35 000 parties que du coup, tu vas minder le jeu. Je trouve que ça marche tout le temps. Mais parce que ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu joues. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas lequel mettre, en fait. J'aime beaucoup les trois. Ouais, en fait, c'est ouais, assez différent. En fait, Brambad Wombat, je pense que c'est une expérience à... Je dis comme Simon, je dis Brambad le Wombat maintenant. C'est Brambad 2 Wombat. je pense que c'est un truc à faire, à vivre, à tester, à faire tester. Est-ce que c'est un jeu que vous allez faire 30 parties, que vous allez sortir régulièrement? Je suis pas sûr. Non. Mais c'est un jeu, quand t'as des gens qui n'ont pas joué, tu le sors en début ou en fin de soirée. Ouais, voilà, début, fin de soirée, ça, c'est typiquement... Voilà, et c'est aussi drôle à jouer qu'à regarder. Pour quand t'es plein, vraiment. En fait, tu peux regarder et tu vois le trade qui fait de la merde et qui renverse sa tour et qui accuse clairement quelqu'un d'autre. Ouais, en disant, ah, ma tour, qui c'est qui l'a viré? C'est complètement stupide. Toi, tu l'as joué plus soft, mais oui. Bon, écoute. Je suis un traître gentil. Voilà, voilà. J'arrive pas à être méchant. Et voilà, et puis The Number Trio, comme je disais, l'excellence japonaise dans le minimalisme, top quoi. Voilà. Merci aux éditeurs, donc Asmodée et Cocktail Game, principalement, pour nous avoir permis de parler de ces jeux, parce que bah, on y tenait. Bah ouais, donc, c'était des trucs qu'on avait dans le viseur depuis un moment. Ouais. Toi, Christy, quand je te l'ai proposé, t'as dit ouais, s'il y en a une où je veux être, c'est celle-là. c'est clairement ce que je dis, quoi. C'est... Mais on est tous, je crois qu'on est tous unanimes, c'est assez rare dans l'équipe, on est tous unanimes sur trois jeux pour dire ok, il y a quelque chose, ok, c'est bon, ok, on y va à fond dessus. Carrément. Voilà. Il faut pas aller boire de café parce que sinon on va imploser. Alors là, le cœur il est toujours en train de faire ça en fait. Donc, C'est bien pour faire les colis après là. on est pareil pour la journée. À bientôt. Ouais. À la prochaine fois. De nouvelles aventures. Allez. Salut. Tchou.